Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'entretien du dimanche. Je n'ai de cesse de le répéter, mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs et auditeurs, cette émission aborde toutes les questions possibles. C'est pour ça que cette fois-ci, après avoir parlé longuement politique, longuement culture, longuement santé, nous avons décidé de parler sport. Nous allons nous intéresser au sport béninois, le sport de notre pays avec notre invité. Il s'agira principalement de faire l'état des lieux du sport, de voir d'où nous sommes partis et là où nous en sommes aujourd'hui. Tout au long de cette émission, on parlera également des problèmes auxquels notre sport est confronté et comment essayer de trouver quelques esquisses de réponses. Nous allons envisager également quelques perspectives pour le sport béninois. Notre invité est un amoureux du sport. C'est un opérateur économique, champion de France au sport scolaire football en 1978, il y a donc 45 ans, au lycée Toulouse-Fontaine. L'invité s'appelle Lukpong Saliagata. Bonjour. Bonjour, cher ami. Saliagata, vous allez bien? Et vous-même? Ça va très bien. Un plaisir. Plaisir partagé. Vous avez toujours l'âme d'un sportif? Toujours. Toujours. Sportif un jour, sportif toujours. Voilà. Voilà qui est clair. Alors, dans la préparation de cette émission, vous aviez dit une fois que si vous êtes un homme aujourd'hui, c'est le sport qui fait de vous un homme. Je cherche à mieux comprendre ce que vous avez voulu dire, rien, monsieur Lukpong Saliagata. Oui, bon, je pense qu'on ne va pas faire de la philosophie autour de sport. Mais ce que je voulais dire, je veux dire que dans le sport, on retrouve les vertus qui forgent l'homme. Lesquelles? Quelles vertus, par exemple? Le travail, la solidarité, la fraternité, l'amitié, l'amour, la trahison. On retrouve la trahison aussi dans le sport? Absolument. Vous avez ceux qui peuvent vous soutenir aujourd'hui et qui demain, parce que vous avez du talent ou bien vous n'avez pas plus de talent, vont vous tourner le dos. D'accord. Mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que nous vivons au quotidien. Mais moi, je suis parti très tôt du Bénin, je suis parti à l'âge de 14 ans. Donc j'étais à l'internat et j'ai participé en 1977 à Viry-Châtillon à une détection. On appelle ça journée de détection. Donc j'ai participé à cette journée et à la fin, le lendemain, ma sœur m'amène un journal où je vois le titre « Lukpong Saliagata, le meilleur junior de l'Essonne ». Donc vous imaginez un peu… Vous n'y attendiez pas, c'est ça? Non, pas du tout, parce que quand vous participez à une journée de détection, vous êtes nombreux. En plus, c'était de l'Essonne. Moi, ça s'est passé à Viry-Châtillon. J'habitais à Grigny-Centre à l'époque, donc j'étais à deux stations de train. Et donc, vous avez tous les gamins qui viennent un peu de partout, de l'Essonne. Essonne, vous avez Viry-Châtillon, Juvisy, etc. Donc, le lendemain, oui, beaucoup de fierté, surtout à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, quand votre sœur vous amène un journal où vous voyez écrit en gros titre « Lukpong Saliagata, meilleur junior de l'Essonne ». Oui, ça flatte notre orgueil. Oui, et puis ensuite, je suis allé à Toulouse à l'âge de 17 ans. J'étais en classe de première G2. Et là, on est devenu d'abord champion académique. Et ensuite, on est allé à Laval, en Mayenne, où tous les champions académiques se sont retrouvés. Et là, on est devenu, mon lycée est devenu et champion de France sport scolaire. D'accord. Avec comme meilleur buteur Lukpong Saliagata. Mais vous n'avez pas continué? Pourquoi vous n'avez pas continué? Non, parce que bon, à l'époque, c'était pas très bien vu d'être footballeur. Les choses ont changé aujourd'hui, mais à l'époque, bon, les parents ne vous encourageaient pas à devenir footballeur. Ils ne vous ont pas envoyé en France pour devenir footballeur. Mais pour vous dire, même déjà, dans mon lycée à l'époque, il y avait Daniel Bravo, et qui était en sport scolaire.
et qui était dans le même lycée que moi. Et on a battu son équipe à l'époque. Donc, bravo pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Daniel Bravo, aujourd'hui, il a joué dans l'équipe de France. Bon, pour ceux qui, les amoureux de football, qui suivent un peu le football, Subi Sport, aujourd'hui, il est un des commentateurs. D'accord, OK. Alors, nous allons maintenant revenir au Bénin. Absolument, c'est ce qui nous intéresse. Parler du sport béninois, c'est notre thème. Monsieur Loukman Saliagata, dites-nous concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fier du sport béninois? Bon, est-ce qu'on peut répondre par oui ou par non? Ben, non, je pense que... Vous répondez par oui, vous expliquez, par non, vous expliquez. Non, moi, ce que je dis, en fait, quand on est amoureux de sport, on est amoureux de sport, on n'est pas amoureux de football seulement. Moi, je pense que ce qu'il faut voir avec le sport béninois, c'est de voir là où... Quels sont les sports phares sur lesquels nous pouvons nous appuyer? On a vu aujourd'hui maintenant que le football... Attends, les Béninois ne sont pas les meilleurs. C'est quand même le sport roi. C'est quand même le sport. Parce que c'est le sport roi, on doit mettre tous nos moyens sur ce sport-là, en sachant que peut-être dans 10 ans, 15 ans, on sera au même stade. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je préfère suivre une politique comme les pays comme l'Éthiopie, où bon, ils sont vus que là où ils sont forts, c'est les sports, comment on appelle ça, les marathons, etc. Donc ils ont mis le paquet sur les marathons pour que dans ces athlètes soient les meilleurs dans cette discipline. Donc voyons au niveau du Bénin aussi, est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas s'asseoir autour d'une table et puis réfléchir? Taekwondo peut nous apporter des médailles. On a vu une jeune fille il y a quelques mois dans l'athlétisme Novelli qui était brillante, à la pétanque. On n'est pas mauvais, et karaté, il y a quelques années, on était parmi les meilleurs, donc, etc. Donc, pour vous, ce sont ces disciplines-là qui sont les meilleures disciplines au Bénin, concrètement? Je ne dis pas qu'ils sont les meilleures disciplines au Bénin actuellement. Je dis qu'il y a des disciplines sur lesquelles nous pouvons faire un effort parce que nous avons des talents. Oui, mais lesquelles? Que je viens de citer. Vous mettez beaucoup plus de moyens dans l'athlétisme. De l'athlétisme, dans le taekwondo, dans le volleyball, dans le handball et dans d'autres activités. Aujourd'hui, maintenant, on s'est rendu compte que le football, c'est vrai, c'est le sport roi. Mais on a vu les limites de nos joueurs. Donc, à partir de là, je pense que... C'est les vitesses. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pressé, Loukman Saliagata? Parce que, qu'on le veuille ou pas, des équipes, bon, l'équipe part. Font quand même des exploits. Moi, je pense qu'il faut revoir un peu la stratégie. Qu'est-ce que nous voulons faire? Comment on veut le faire? Et avec qui? Donc, à partir de là, je pense que dans quelques années, ouais, le football il peut devenir sport roi au Bénin. Mais si on continue dans ce sens-là, qui est le nôtre aujourd'hui, où on n'a pas de pépinière, on va chercher des joueurs parce qu'il a une nationalité, et ses grands-parents sont béninois. Et, non, moi, je ne suis pas dans ce schéma-là. Je suis dans un schéma en disant, revenons un peu en arrière, ce qui a fait la force un peu de nos équipes à l'époque. C'était les championnats scolaires. Oui. C'était les championnats scolaires. Moi, Dorigo Sado, c'est mon cousin Germain. On dormait et sur la même natte. Il était à Beaucourt à l'époque où moi je suis parti. On a vu les Dosoubété, on a vu tous les autres ici. Donc, revenons à ce qui a fait notre force à un moment donné. Donc, à partir de là, oui, on pourra construire et commencer par récolter dans quelques années. Aujourd'hui, maintenant, les gens ont vu le Maroc. Le Maroc a joué la demi-finale. Ah, il faut faire comme le Maroc. Mais le Maroc a semé depuis plus de 30 ans, 40 ans. Ils sont en train de récolter aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de dire, M. Loukman Saliagata, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui avec les classes sportives, les classes culturelles et sportives. Le sport est revenu dans les écoles avec un championnat scolaire, bon, si on peut le dire comme ça, où on a même des établissements qui gagnent à l'international. Absolument. Absolument. Donc, prochain alors concrètement à la politique sportive? Non, moi je pense qu'il faut repenser tout ça. Il faut repenser tout ça. On peut toujours être animé de bonnes intentions. De bonnes intentions, c'est bien. Mais il faut mettre en place quelque chose de cohérent. Le championnat scolaire, c'est le ministère de l'Éducation qui se charge de terminer le championnat scolaire.
dans le championnat scolaire, c'est quoi le but? Si le but, à un moment donné, c'est de pratiquer, par exemple, de dire que chaque mercredi, sur toute l'étendue du territoire national, on pratique le sport. Pas seulement le football, on pratique le sport en général. Et qu'il y a des détecteurs qui sont là, présents, qui choisissent les meilleurs, je suis d'accord. Et c'est ce qui doit se faire. Et sinon, on va organiser un championnat scolaire. Dans quel cadre? Qui l'organise? Qui sont les éducateurs? Qui sont les formateurs? Qui sont les encadreurs? Qui sont les médecins? Qui sont les ambulanciers? En cas où il y a un accident, un jeune qui se blesse, l'autre, comment on va faire? Donc, d'accord, l'idée est bonne. Vous savez qu'il y a aujourd'hui l'office béninois du sport scolaire, ouais, et universitaire. Ouais. Donc, ce que vous dites là est pris en compte par les autorités sportives, M. Samy. Est-ce que vous avez des informations sur le contenant de cet office? L'office organise exactement ce que vous dites là. Oui. Au niveau scolaire, avec des compétitions. Mmh. On a même dégagé des équipes qui représentent valablement le Bénin. Donc, votre affaire de revenir au sport scolaire et tout ça, prise en compte, c'est ce que je voulais faire. Oui, attention, ce n'est pas votre affaire, c'est notre affaire. c'est notre affaire. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit beaucoup plus clair, que ce soit beaucoup plus structuré, que ce soit pas seulement dans l'Atlantique, ou bien dans l'OME, ou bien dans le Mono, c'est de manière générale qu'il y ait un championnat scolaire et que les meilleurs se retrouvent. Et à un moment donné, qu'on est un champion national sport scolaire. Moi, c'est ce que je veux. Je ne veux absolument rien d'autre. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de discuter, vous et moi. On ne détient pas la science infuse. On apporte notre modeste contribution à ce sport que nous aimons beaucoup. Mais c'est vrai que, bon, on va pas passer tout notre temps à parler que du football. Mais c'est vrai que c'est le football qui est aujourd'hui le sport, qui est le sport roi, qui fédère tout le monde, on se dispute, etc. Moi, c'est ça mon ambition. Mon ambition, ce n'est pas d'avoir un projet pilote, c'est d'avoir un projet qui est un projet national, qui est clair, encadrement, qui fait quoi? Les anciens arbitres, les anciens joueurs, est-ce que c'est eux qui deviennent les arbitres? Qu'est-ce qu'on met en place? Le schéma national. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai été champion académique. Est-ce que nous, on va mettre en place un championnat département et des champions départementaux, et à la fin, on a un champion qui est un champion national ou pas? Moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas que ce soit seulement l'Atlantique où il y a deux ou trois communes et qui lancent ce sport scolaire. Il faut que ce soit sur le plan national, de manière cohérente. Alors, vous dites qu'on met trop d'argent dans le football, c'est ce que vous avez dit, mais nous voyons que les autres fédérations sont aussi soutenues, M. Lukman Sani Agata. On voit bien l'État apporter une aide, un soutien financier, plusieurs millions distribués d'ailleurs récemment également à différentes fédérations. Donc, on ne peut pas dire que l'État n'investit pas dans les autres sports. Mais non, sincèrement, je pense qu'on n'est pas là pour critiquer, pour le plaisir de critiquer. Sinon, bon, chacun peut le faire. Oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, on apporte un peu notre modeste contribution à ça. Non, mais j'ai vu ça, mais excusez-moi, c'est une aberration ce qui se passe. On parle de football, parlons du football. C'est une aberration. Dans tout le monde entier, les gens cherchent à diminuer le nombre d'équipes pour un championnat. Au Bénin, nous avons 36 équipes. Attends, est-ce que vous avez vu ça? 36 équipes. Donc, il faut que... Combien? Non, moi, je ne dis pas qu'il faut. Pour moi, 8 ou 10, ça suffit largement. Je vous explique pourquoi. Vous avez 36 équipes. Il faut combien de matchs? Multiplié par deux. Donc, il faut jouer 64 matchs. Donc, il faut dégager 64 semaines dans l'année. Et pour jouer, attendre le championnat. Il faut avoir 32 dirigeants. Et pour présider au devenir de ces équipes-là, il faut avoir des déplacements, il faut aller au nord. Mais ils vont trouver les moyens où?
ou bien même les moyens. Vous pensez qu'au Bénin, attends, nous avons la possibilité d'avoir 600 joueurs d'un niveau et pour un championnat? Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est ce que je veux dire. Attends, je ne dis pas que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je dis, c'est pas cohérent. Mais à la fin, quand je m'insurge, comme je suis en train de le faire devant vous, on me dit non, mais c'est différent. Oh, il faut avoir 30 équipes parce que chaque équipe, pour voter lors de la fédération, on a un représentant. Donc vous avez des représentants au sein de la fédération qui sont propriétaires de plusieurs clubs. Juste pour quel but? Se faire élire? Mais ça n'a aucune. Et ça, moi je suis contre. Oui, mais en même temps, quand vous n'êtes pas au niveau des instances de décision de football, vous n'arrivez pas à faire valoir votre équipe aussi. Peut-être que les gens calculent aussi. Mais ça n'a pas. Ça peut donner des émotions. Je suis comme tout le monde. Quand tu vois ton équipe jouer, des émotions, même quand ce n'est pas ton équipe, comme un peu ce que Manchester a fait contre le Real de Madrid. Mais tu es ému, tu te dis, mais. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Si tu es dirigeant, tu ne peux pas être juge et parti. C'est impossible. Mais ça n'a absolument aucun sens. Comment vous voulez qu'un président d'une fédération soit en même temps président de plusieurs clubs? Un vice-président? En quoi c'est illégal? Est-ce que c'est interdit? Mais c'est la morale. Mais c'est la morale. Mais ça, c'est subjectif. Mais pourquoi? Et citez-moi un pays où vous avez vu des présidents de clubs et qui sont même en même temps membres de la fédération de football. Et citez-moi. Il y a deux choses. Normalement, une fédération s'occupe du football amateur. Dans tous les pays, une fédération s'occupe du sport amateur. Et de l'équipe, et des équipes nationales. Normalement, il y a une ligue qu'on appelle une ligue quand il y a des pros, des professionnels. Donc, il y a une ligue nationale qui gère maintenant le championnat. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on met la fédération s'occupe uniquement des sports amateurs, s'occupe des équipes nationales, et puis on met en place une ligue, et la ligue maintenant gère le championnat? Qu'est-ce qu'il faut pour le Bénin aujourd'hui maintenant? Il faut qu'on puisse tirer les joueurs vers le haut. Donc, le championnat à 10 clubs, oui, ça suffit largement. Donc pour vous, plutôt que d'avoir 32, il faut 10 clubs. 10 clubs en tout cas pour commencer, vers le championnat. Absolument. Mais avec des clubs de seconde division, et puis maintenant vous avez les championnats scolaires et qui peut et servir de noyau pour ces équipes-là. Attends, parce que même quand vous êtes formé, quand vous ne jouez pas, vous ne progressez pas. Vous pouvez faire la détection de ces joueurs-là, championnat et championnat scolaire, mais à un moment donné, il faudra quand même. Quand ils jouent les mercredis, mais le week-end, il faut qu'ils aillent dans un club pour jouer, pour progresser. Mais, et si vous avez 32 joueurs, 32 équipes, donc vous avez 600 de même niveau? Et qui va tirer l'autre vers le haut? D'accord. Cette approche de la gestion du football, en tout cas du championnat, Adam Béninois me pose un problème. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la caisse. Ah non, attends, le financement, bien sûr, mais bien sûr. On donne aux autres fédérations aussi. Mais on ne donne pas assez, je trouve, c'est tout. Oui, mais quand vous dites on ne donne pas assez, si on avait assez, on donnerait assez. Non. Peut-être qu'on fait. On peut diminuer dans le football et puis donner aux autres. Mais sur quel critère? Ah, c'est les critères, et c'est les critères que. Là, maintenant, on aura les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et le football ne sera sûrement pas, pas représenté. On aura des gables, les pétanques, et athlétisme. Oui, aujourd'hui, vous me mettez un peu le paquet sur l'athlétisme. Il faut encourager cette jeune fille et pour qu'elle puisse représenter dignement le Bénin en 2024. Il faut encourager la pétanque, il faut encourager le karaté, il faut encourager, etc.
pas laisser le football à d'un béninois. On a parlé avant des quoi, on les appelait comment déjà avant les écureuils, maintenant ils sont devenus des guépards. Mais il faudra qu'on m'explique d'ailleurs en Afrique pourquoi on donne des noms d'animaux à nos équipes nationales. Mais je veux comprendre, c'est tout. À pas de moi, c'est pas interdit. Non, pas du tout. C'est à partir de là que j'arrive à s'identifier. Pas du tout. Autant Amazon me parle, mais autant guépard ne me parle pas, non. D'accord. Mais il y a aussi une chose qui est fondamentale. Vous dites qu'il faut donner de l'argent, donner plus de moyens à cette fédération, mais l'État ne fait pas que ça. L'État fait beaucoup d'autres choses. Vous l'aurez constaté, il y a eu un investissement massif dans le domaine du sport. C'est quelque chose à encourager pour faciliter également la pratique du sport. Bien sûr. Et d'abord, il faut situer les choses. Le rôle de l'État, ce n'est pas de donner de l'argent aux équipes. On est tout à fait d'accord. Non, mais finalement, qu'est-ce que vous dites ? Non. Ce que je dis, je dis que le rôle de l'État, intrinsèquement, ce n'est pas de donner de l'argent aux équipes. C'est aux équipes de créer un écosystème autour de chaque équipe, les sponsors, les recettes au niveau des stades, etc., les transferts et autres pour gagner de l'argent. Mais il y a une réforme dans ce secteur qui permet désormais aux sociétés d'avoir... Bien sûr. C'est ce que je dis aux sponsors, de sponsoriser les équipes, etc. Et normalement, ce n'est pas à l'État de donner de l'argent. Je comprends qu'aujourd'hui, peut-être l'État considère que vaut mieux mettre le pied à l'étrier et que, après, ça va encourager d'autres partenaires, sponsors. Absolument. Dans l'absolu. L'idée n'est pas mauvaise, mais ce que je dis, pourquoi faire ça pour 32 alors que 10, ça peut suffire largement. Le peu d'argent que nous aurons, on pourra l'investir dans d'autres sports qui sont capables de nous donner plus de vitrines. Le football ne nous donne pas une belle vitrine pour l'instant. Mais il y a d'autres sports, la pétanque. C'est vrai que ce n'est pas sexy, hein, dans la pétanque. Ouais. Voir deux ou trois messieurs avec une petite boule, ce n'est pas sexy. Que le football. C'est un jeu d'adresse. C'est un jeu d'adresse. Et puis ça peut nous amener à des pétanques. Est-ce que vous avez vu, dans la dernière. Les derniers Jeux Olympiques. Vous avez vu la délégation béninoise, ouais. On était fiers d'avoir. Et d'ailleurs, le pays m'a été le championnat mondial. Donc, on était fiers. Oui, moi, je pense qu'il faut faire un effort dans ce... Et attends, revenons un peu en arrière, d'ailleurs. À l'époque du Bénin, moi, quand j'avais 12 ans... Attends, je me rappelle toujours, j'étais à Porte-Nouveau. On se levait le matin et pour aller à TPGM à l'époque. C'était pour voir les matchs de foot. Et puis, on avait une belle équipe de basket. On avait une belle équipe de volleyball. Donc, attends, sincèrement, je pense qu'il faut, pour moi, on revient aux fondamentaux en instaurant un championnat scolaire pour les mercredis, pour tous les sports, pas uniquement pour le football. Pour tous les sports. Pour tous les sports. OK. Mais vous ne nous avez pas dit ce que vous pensez de l'investissement dans les infrastructures. Oui, bien sûr. Dans les stades, non, je vous l'ai dit, dans les stades, il y en a une vingtaine actuellement, je crois, non ? 22, oui. Exactement. Vous pensez que c'est opportun d'investir autant dans les stades pour un pays comme le nôtre, M. le document de Sonia Gata ? Honnêtement, moi, j'aurais fait autrement. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Je discutais la dernière fois avec un ami qui est président d'un club et qui me disait qu'il y a deux stades, par exemple, à Niki et à Bemereke, et qui sont un peu loin de la ville, que les gens n'ont pas accès. Donc, on va construire des stades où il n'y a pas d'âme. Les gens n'y vont pas. Les gens n'y jouent pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire, peut-être ? Il fallait peut-être en créer 4 ou 5 et créer plutôt des aires de jeu, des stades qui sont des stades clôturés et validés par la FIFA au niveau de la pelouse, pour que ces clubs-là puissent avoir accès pour s'entraîner. Et que des jeunes-là... Attends, regardez, c'est fantastique ce que vous voyez et chaque dimanche matin, quand vous allez au carrefour de comment on appelle ça, au carrefour de...
Est-ce que vous êtes Carrefour parce que je n'arrive pas encore à vous suivre. Mais vous voyez les gens aller au stade, attends, René Pleven, attends, le samedi matin, ouais, plein de jeunes qui sont là, et qui s'entraînent, qui jouent. C'est ces aides de jeu qu'il fallait plus créer que des stades. Créer des stades maintenant à Cotonou, à Parakou, à Baïkon, 5 ou 6, qui sont des omni-stades. Je suis tout à fait d'accord, mais il fallait créer plus d'aides de jeu parce que vous avez beaucoup de clubs qui ont des difficultés à trouver des stades et pour s'entraîner. Donc, les stades permettent aussi de désenclaver certaines régions. Qu'est-ce qui vous dérange si on a construit un stade à Diki? Il y a quand même des gens. Attends, mais s'il n'y a personne qui joue, oui, et ça me dérange. C'est comme si vous construisez une maison où il n'y a pas d'âme et qui va l'entretenir. La faute, c'est la construction. Il faut faire plaidoyer après pour que les gens aillent massivement investir ces lieux de sport, parce que c'est pas que le football, c'est ni sport. Je reviens toujours à ce qu'on disait tantôt, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour apporter notre modeste et contribution à ce qui se fait, ou bien à ce qui se fera. Oui, moi personnellement, je pense que 20 stades de ce style-là, c'était un peu trop. Il fallait construire peut-être des aires de jeu pour permettre à des clubs de première ou une deuxième division d'aller s'entraîner et que de construire des stades omnisports où personne n'y va. Mais est-ce que ce n'est pas aussi tributaire du nombre d'équipes que nous avons dans le championnat? Si vous décriez tout à l'heure le nombre d'équipes, est-ce que cette multiplicité de stades ne règle pas le problème de la mobilité? Mais si les gens allaient s'entraîner et si les gens y jouaient, ça ne m'aurait posé absolument aucun problème. Et ce qui me pose des problèmes, c'est que ces stades-là existent, et personne n'y a assez, et personne n'y joue, et ces stades n'ont pas d'âme. C'est ça qui me dérange. Sur le principe, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais finalement, qu'est-ce qui marche? Parce que depuis que je vous écoute, vous faites des propositions, certes, mais vous ne nous avez pas encore dit, à part certains sports, ce qui marche dans le sport bénévole. Tout n'est pas mauvais. Encore heureux, mais encore heureux. Non, mais tout n'est pas mauvais. Et je vous ai dit tantôt en introduction que le sport a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, et qu'est-ce que je veux? Je veux que le sport rentre dans notre quotidien et que ça ne donne que des émotions, mais et que pour moi il n'y a rien à faire. Il faut passer le sport scolaire. Parce qu'on n'a pas de structure fêtière pour que, comme dans les autres pays où vous avez des clubs et qui ont des centres de formation et qui en même temps ont des ramifications avec d'autres clubs. Nous, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour dénicher les talents? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dénicher les talents? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dénicher les talents? Oui, dans le championnat scolaire. Et puis, il y a aussi des jeunes aussi qui ne vont pas à l'école aussi, mais avoir des aires de jeu sur lesquelles ils peuvent aller jouer et s'épanouir. D'accord. Donc, mais au moins, la réforme des sociétés sportives est une bonne réforme. Excellente. Excellente. Mais moi, je dis que dans l'État, il va jouer sa partition. L'État doit jouer son rôle régalien. Le cadre. Le reste. Chacun. Mais qu'est-ce que la réforme, selon vous, vous n'êtes pas porteur forcément de cette réforme. Mais qu'est-ce que la réforme des sociétés sportives peut apporter au développement du sport? Parce que toutes les sociétés ne sont pas logées à la même enseigne. On ne peut pas non plus. Nous ne sommes pas dans une société égalitaire. Il ne le faut même pas. Il faut qu'il y ait les plus forts, les moyens et puis les faibles. Et ça, c'est la vie, ça. Mais à partir du moment qu'il y a un cadre réglementaire et que vous avez des hommes et des femmes qui sont censés diriger et qui sont réalistes, je pense que oui, on peut jeter les bases d'une nouvelle ère.
Donc, tout est possible. Moi, j'y crois à fermement. Mais il ne faut pas tergiverser et puis rentrer dans les compromissions. L'essentiel, on fait quoi? Comment avec les hommes? Vous avez dit tantôt que l'État a investi dans les infrastructures. Ouais. À un moment donné aussi, il faudra peut-être penser investir dans les hommes. C'est-à-dire? C'est-à-dire. Mais attends, c'est toujours fabuleux quand les gens vont jouer au foot. On te parle de stade. On a fait un stade, on a fait une belle pelouse. Mais attends, les gens oublient. Et que quand c'est, par exemple, quand c'est une pelouse attends, synthétique, il faut porter tel type de crampons. Et qu'avant d'arriver au stade, il faut que tu puisses manger peut-être au moins 4 ou 5 heures avant. Et, il faut que tu aies un masseur, que tu aies un kiné, etc. Et tout ça là. Moi, c'est ce que je souhaite qu'on puisse attends, mettre en place. Parce que les gens ne savent pas tout ça. Voilà. Mais bien sûr, là, bien sûr. Mais bien sûr, les gens le savent. Les gens le savent. Voilà. Bien sûr que les gens le savent. Je veux dire que quand on a 10 clubs, oui, ça, on peut le mettre en place que 32. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire que les gens le savent. Mais à un moment donné, ils vont faire quoi? Et vous, vous allez vous lever à fond perdu, vous allez mettre et chaque année 100 à 200 millions à fond perdu. Parce qu'il n'y a pas de recette au stade. Si un match et Liverpool contre Manchester, et croyez-moi, hein, et les gens n'iront pas au stade pour regarder votre match, hein, sauf si vous commencez votre match à midi. Mais pour aller jouer à midi, donc il faudra manger à 8 heures avant et s'entraîner avant, se chauffer. Donc, c'est tout ça. Mais c'est tout ça là qu'il faut mettre en place. Il faut mettre tout ça là en perspective. Moi, c'est ce que je souhaite. D'accord. Alors, l'autre problème du sport béninois, il faut le dire comme ça, c'est la formation. Monsieur Mansané Agata, je sais que vous savez beaucoup parler de la formation. Oui. Maintenant que nous vous en donnons l'occasion, parlez-en. Est-ce que nos clubs, est-ce que nos sportifs sont suffisamment formés? Oh mon Dieu. Ouais, quand on parle de formation, c'est toujours délicat. Attends, parce que ce qui est vrai en Europe n'est pas vrai en Afrique. Il faudra toujours tenir compte des réalités socio-culturelles. On ne mange pas de la même manière. Donc à partir de là, il faudra. Moi je dis pour la formation. On revient à ce qu'on disait toujours tantôt. Il faut les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Personne ne peut se lever et devenir formateur. C'est un métier. Attends, nous avons de la chance. On a eu des joueurs talentueux qui aujourd'hui, et peut-être, on ne leur donne pas l'occasion de partager un peu leurs connaissances. S'ils sont intéressés, aidons-les à avoir des formations. Vous avez les formateurs, vous avez les dénicheurs de talents, vous avez comment on les appelle, dans la médecine et sportive. Donc, attends, tout ça, mettons en place un schéma clair, net, qu'on sache qui fait quoi, quand et comment. Tout ça, toujours en dehors des politiques. Vous êtes sûr que ce schéma n'existe pas? Je n'en sais rien. Et vous, qui êtes journaliste, peut-être que vous pouvez m'en dire plus. Attends, d'ailleurs, attends, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est un ami pour qui j'ai beaucoup d'affection, on a eu à discuter un peu de ce sujet. Vous avez posé la question? Bien sûr, j'ai posé la question. Avec beaucoup de... vous voyez que je suis toujours un peu ému quand je parle de sport, donc je lui ai parlé de ça. Vous avez répondu? Mais si, il m'a dit que le changement était en cours. Lui, il avait une vision plutôt NBA du sport béninois. Et ce qui est louable d'ailleurs, attends, parce que NBA, c'est quoi? NBA, c'est qu'avant que tu ne deviennes professionnel, mais tu passes par le lycée, collège, et puis c'est à partir de là qu'il y a un draft, et puis après tu es choisi pour aller dans les équipes. Et oui, attends, l'idée, l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est au niveau de la pratique. Donc à partir de là, maintenant, il faut mettre en place chaque pilier et pour arriver à ce résultat-là. C'est ça que vous parlez tout à l'heure en parlant de la formation. Attends, une formation, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lus.
Puis, aujourd'hui, on voit nos jeunes, là, ils pensent que les Mbappé, les, tout ça, là, il suffit seulement de... Non, les Mbappé, ils qui gagnent autant que Mbappé, tout, ils ne sont pas nombreux. La moyenne des joueurs, par exemple, pour nous, la Ligue française, la moyenne des joueurs gagne à peine 30 à 40 000 euros par mois, en sachant que la vie d'un sportif, c'est juste à partir de 35 ans, 36 ans. Oui. Et pour ceux qui ont diminué l'âge, peut-être c'est à partir de 32 ans. Donc, c'est pas facile. Il faut dire la vérité aux jeunes. Si vous voulez pratiquer dans le sport, il y a plusieurs vertus que je vous ai énumérées tout à l'heure, mais c'est pas facile. Il faut se lever tôt, il faut s'entretenir physiquement, il faut avoir une hygiène de vie, etc., etc. C'est des sacrifices. Donc au niveau de la formation, mais au niveau de la formation, il faut que ça se fasse pas des professionnels, des gens qui savent de quoi ils parlent. Malheureusement, au Bénin, je crois que ils ne sont pas nombreux pour l'instant. Oui, mais on n'a pas de centre de formation dans le mais c'est pour ça que le sport scolaire peut être un vecteur pour que en même temps on puisse former le sport scolaire n'est pas un centre de formation. Je veux pas... Non, je veux dire qu'on partirait de là. Oui, mais je veux parler des centres de formation à proprement parler. Vous voyez aujourd'hui le cas du Sénégal. Le Sénégal brille partout. Ouais. Le Sénégal est champion dans tous les niveaux de discipline en football, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de centres de formation au Sénégal. Ouais. Et donc, l'expérience du Sénégal peut nous servir au Bénin. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à implémenter ce type d'expérience au Bénin? Est-ce que vous en savez quelque chose? Mais si, mais attends, parce qu'il faut toujours, il faut toujours raconter un peu les histoires. Attends, parce qu'on parle du Sénégal, vous allez sûrement aborder aussi de la Côte d'Ivoire plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est pas quelle équipe déjà qui actuellement fait beaucoup de merveilles à la Coupe du Monde de moins de 20 ans. De moins de 20 ans. Oui. Il y a la Zambie aussi, il y a la Gambie actuellement. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le Sénégal? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je pense que c'était dans les années 90, vous avez 4 joueurs. Il y en avait 2 d'origine sénégalaise. Il y avait Vieira, il y avait notre compatriote Adjovi Boko, Bena Lama, et puis un quatrième dont le nom m'échappe. Et qui ont décidé d'aller au Sénégal pour créer un centre de formation. Joliba ou bien quelque chose, ils avaient appelé ça à l'époque. Donc c'est eux qui ont été les initiateurs de ce projet-là. Donc c'est eux qui sont allés au Sénégal, qui ont monté le premier centre de formation. Mais à l'inverse d'autres, c'est qu'ils avaient des relais en Europe où vous avez des formateurs qui venaient de temps en temps au Sénégal pour regarder un peu ce truc. Donc à partir du moment qu'il y a eu ce centre de formation, d'autres se sont lancés en même temps. Et dans ce créneau, c'est une niche, si vous voulez, il peut y avoir beaucoup d'investissements pour qu'à la fin. Donc, voilà le cas du Sénégal. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'était encore différent. Le Yaya Touré, son frère, et d'autres joueurs qui sont allés en Europe à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, donc il y a eu un ancien joueur de Nice qui s'appelle Jean-Marc Guillou, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a entraîné la SEC à Côte d'Ivoire, et qui en même temps a créé un centre et a acheté le club belge. Il a acheté un club qui est un club belge. Et il était en contact aussi avec Arsène Wenger, qui est Arsenal. Donc, les joueurs qui étaient la Côte d'Ivoire, au lieu d'aller directement en Angleterre, ils passaient par la Belgique, il jouait 2 ou 3 saisons avant d'aller en Belgique. Donc, et pour revenir à ce que vous dites, oui, il faut créer des centres de formation, mais toujours la même chose. Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Est-ce que nous voulons créer des centres de formation pour sortir les meilleurs, pour qu'ils aillent jouer et gagner de l'argent? Ou bien, nous voulons créer les centres de formation d'abord pour notre propre championnat et ensuite pour que les meilleurs aussi puissent partir? Qu'est-ce qu'il y a?
À l'idéal, dans le meilleur des mondes, c'est de créer des centres de formation, mais que ce soit les clubs. C'est ce que je vous dis depuis. Il faut qu'il y ait un socle. Le socle doit être les clubs. Il faut que les clubs créent des centres de formation et que les jeunes qui jouent les mercredis, qui sont les soirs et sports scolaires, quand tu as fait la détection, quand leurs détecteurs sont passés un peu partout, ont déliché, ils passent par les centres de formation. Les centres de formation qui nourrissent, si je peux m'exprimer ainsi, les clubs de première et de deuxième division. Les centres de formation doivent être l'apanage des clubs et non de l'État. Je dis toujours la même chose, l'État doit jouer son rôle. Vraiment. Si c'est cela, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour le Bénin, M. le Comte Sanegata. Mais pourquoi vous dites ça? Le club béninois aujourd'hui capable de créer des centres de formation avec toutes les implications que cela pose. Mais qui sont-ils, ce club? Je regarde un peu le championnat, c'est vrai que je vois certains clubs. L'Autori National, Coton Club, oui. Sobema, À part ces clubs-là. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que l'État crée des centres de formation? Si l'État doit le faire. Mais ce n'est pas son rôle. Mais qui va gérer ça? Ce n'est pas le rôle de l'État. L'État, toujours, il faut qu'on arrête. Même en tant qu'opérateur économique, prospère, je le dis comme ça. Prospère, que Dieu vous entende. Amoureux du sport. Pourquoi vous ne créez pas un centre de formation? Que c'est le point de son état. Non, dans l'immédiat, non. Peut-être à moyen terme, oui. Mais bon, et si je fais ça, il faut que vous sachiez que c'est à fond perdu. C'est un gouffre qui est un gouffre financier. Vous pouvez former des gens que vous pouvez vendre. Et qui vous dit que ça marche automatiquement? Si vous êtes compétent, si votre centre de formation sort de beaux produits, ce n'est pas à fond perdu. Vous faites des placements. Mais cette manière que vous avez, et que les gens comprennent, on prend le football comme quelque chose d'une science exacte. Il suffit d'avoir des centres de formation et d'avoir de bons joueurs. Vous faites les formations qui font. Vous gagnez toujours de l'argent, c'est ça. On fait les transferts, c'est 10 millions d'euros, 20 millions d'euros. Il faut prendre le risque, monsieur. Non. Moi, je suis un amoureux du sport. Je suis un amoureux du sport. Je ne conçois pas le sport à travers votre façon de business aussi. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est du business. Vous m'avez dit une fois que quand on aime le sport, c'est qu'on aime les sportifs. Mais bien sûr. Et donc, vous n'allez pas jouer du sport alors que ce sont les autres qui investissent. Vous-même, vous pouvez le faire. Au Sénégal, il y a plus de 1000 sortes de... 1000, non, il faut pas exagérer quand même. Non, mais bon, il y a des centres de formation dignes de ce nom. Ils sont au Sénégal, il y en a peut-être 5 ou 6. Au Cameroun, il y en a peut-être... Oui, il y a beaucoup d'intentions. Mais attends, centre de formation, c'est... Mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Le système qui existait plus ou moins dans les pays européens, c'est ce que je vous ai expliqué. Il faisait des journées de détection dans certaines villes, et puis après, il choisissait et des jeunes et qui venaient dans les centres de formation. Et après, peut-être, quand ils choisissaient, peut-être. Une cinquantaine, peut-être après deux, et qui deviennent professionnels. Et pour vous citer un exemple, et quand il y a une détection, et un gars comme Didier Deschamps, ouais. Il est arrivé 53e. Il est arrivé 53e. Sur combien peut-être que... Oui, en position. Donc, il y avait 52 devant lui. Il a été le seul à devenir international. Et c'est pour vous dire que, au-delà même du talent, il faut vraiment la volonté. Il faut vraiment, vraiment atteindre la volonté. Donc, c'est pas facile. Le sport professionnel n'est pas facile.
même tu peux être doué et ne pas réussir. Les meilleurs joueurs de la génération de Deschamps et consorts n'existent plus. Les Henry, les trucs, ils n'ont pas fait long feu parce qu'il faut avoir une hygiène de vie aussi, etc. etc. Et donc ici, ce ne sera pas facile. Mais il faut que ce soit les clubs qui tentent dans cette aventure-là de centre de formation. Mais pourquoi ça va être facile ailleurs et qu'ici, ça ne va pas être facile? C'est ça que je n'arrive pas. Parce que, et parce que là-bas, c'est les clubs qui ont les centres de formation. Il y a des clubs ici aussi. Oui. Nous avons même fait une expérience de centre de formation au Bénin. Avec votre ami. Qui n'a pas prospéré. Oui, parce qu'il avait commis une seule bêtise. Ah bon, laquelle? Être le seul. Ben, c'est une bêtise. Non, oui, parce que si tu formes des jeunes et qu'ils ne rencontrent pas d'autres jeunes de leur acabit, comment vous voulez qu'ils progressent? Et qu'ils peuvent aller ailleurs. Non, mais c'était une excellente idée d'avoir le centre de formation. Mais il aurait fallu que ces jeunes-là, qui sont formés, puissent avoir des rencontres chaque week-end avec d'autres jeunes de leur âge. Mais dans le cas du centre dont nous parlons, M. Sani Adata, ouais. Il n'y avait pas que ça. Il y avait le contexte aussi. Il y avait des raisons que vous connaissez. C'était pas... Non, dites-moi. Politique ou quoi, mais... Je ne sais pas, mais ce n'est pas que ce que vous dites là. Non, mais ce que je veux dire, mais quand vous êtes formé, à un moment donné, il faut pratiquer. Oui. Mais il faut pratiquer. Mais il y avait un championnat. Oui, mais il n'y avait pas de championnat scolaire pour ces jeunes-là. Vous n'avez pas formé un jeune qui a 14 ans et le fait jouer avec les jeunes, avec les vieux de 18 ans, 19 ans. Il va progresser comment? Il faut qu'il progresse. Mais attends, c'est pour ça que vous avez les minimes, vous avez les pupilles d'abord, vous avez les minimes, vous avez les cadets, vous avez les juniors première année, juniors deuxième année, et après vous avez les seniors, etc., etc. Un jeune qui est formé à 15 ans, il faudra qu'il rencontre des jeunes de 15 ans de même âge, afin qu'il puisse évoluer physiquement, techniquement, et pour pouvoir avoir accès à une équipe première. C'est la réalité. On n'invente rien, vous et moi. Mais finalement, quand on vous suit, on n'a pas beaucoup d'espoir. Mais si. Elle touche de regarder le contexte. Vous avez un État qui a la volonté de faire avancer les choses. Vous avez un État qui a la volonté de faire avancer les choses. Attends, vous l'avez dit vous-même. Cet État finance même les clubs. Cet État construit dans des infrastructures. Et cet État met en place un mécanisme pour le championnat scolaire. Donc tout est là. Mais il faut mettre tout ça en musique maintenant, avec des hommes et des femmes de qualité qui ont une structure claire, nette. Et puis après maintenant, il faut laisser maintenant le club maintenant jouer leur partition. Le club, au lieu d'avoir 36, il n'y a qu'à fusionner ensemble et pour être une dizaine. Et puis, dites aux responsables de la fédération, on n'a pas besoin d'être propriétaire de 4, 5 ou 6 ou 7 ou 8 clubs. Mais ça n'a pas de sens. Vous pouvez être juge et parti. Et quand votre club va arriver au niveau de la fédération, vous allez faire quoi? Mais vous allez faire quoi? Admettons que vous êtes propriétaire d'un club. Et ce club-là, vous avez un joueur qui a 3 cartons jaunes et qui doit être suspendu alors qu'il y a un match important. Et on amène ça devant la fédération et qui vous fait un arbitrage, vous allez faire comment? Non, ne mettons pas les gens dans la situation difficile. Je vais vous poser parce que là, nous avons fait les 50 minutes. Ah, déjà? Oui. Oh, mais le temps passe vite. Hein. La dernière question que je vais vous poser, M. Lokman Sani Adata. Est-ce que lorsque vous voyez l'environnement sportif béninois et lorsque vous voyez les enjeux du sport, les perspectives, vous pensez que le Bénin pourrait un jour être une grande nation de sport? Alors, j'en ai une intime conviction, puisqu'il y a la volonté qui est la volonté politique. Encore faut-il attendre? À moyen terme, mais l'essentiel, c'est de démarrer quelque chose de bien structuré. Ça a démarré. Oui, ça a démarré. Même, je pense qu'il faut mieux recentrer les choses et trouver des hommes et des femmes de qualité qui ont envie de le faire. Et si vous avez un centre, vous avez parlé de centre de formation, il faut avoir des hommes et des femmes
qui sont en capacité de gérer ça, mais de laisser ça au club. Vous avez un championnat scolaire, ce n'est pas le ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'en occupe. Dans tous les pays, c'est le ministère de l'Éducation qui s'occupe dans des championnats scolaires. Donc il faut avoir des hommes et des femmes. Et prenez des anciens joueurs comme arbitres, puisque les enfants qui ont 12 ans, 14 ans, ils ont déjà dit le respect de l'ancien. Donc automatiquement, ils auront cette autorité-là sur ces enfants-là. Etc. Et à mettre une ambulance à côté, on ne sait jamais, il peut y avoir un accident. Non, c'est tout ça là qu'il faut mettre en place pour que qu'on arrive. Mais vous avez vu, on a parlé 30 minutes de football, on n'a même pas parlé des autres sports. Donc, vous avez déjà le verdict sur les autres sports, vous avez juste dit qu'il faut financer abondamment. Abondamment. Moi, c'est, et moi, attends, moi, attends, attends, moi sincèrement, j'aimerais sponsoriser une équipe de rendre féminin comme masculin avec beaucoup de plaisir parce que c'est structuré et vous avez un interlocuteur, vous savez ce qu'il fait, vous voyez ce qu'il fait, vous voyez comment il le fait et puis c'est clair. Voilà, le président de la Fédération de handball va certainement vous suivre, il viendra vers vous et vous témoignerez de ce que vous aurez fait pour lui. Moi je me suis déjà rapproché de lui, donc il n'y avait pas de problème. D'accord, c'est bon. Monsieur Lutmon, Sani Agata, merci. Oui. Mais c'est moi qui vous remercie, c'était passionnant, mais je m'excuse, hein, je me suis laissé emporter des fois, mais c'est ça le sport. L'émotion. L'émotion. Oui. Je sais que vous êtes Real et que moi je suis Barça, donc vous voyez un peu. Je vais partager avec vous votre vision, votre approche, votre analyse de certaines réalités du milieu sportif béninois. Vous avez également fait vos suggestions et propositions. Merci beaucoup. J'espère que les autorités compétentes du secteur vont vous écouter et peut-être vont permettre que vous rapprochiez d'elles pour échanger un tout petit peu sur le devenir du sport béninois. Il s'agit de notre sport, de notre pays, et donc nous sommes tous concernés. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci également, chers amis auditeurs. C'était M. Lukman Sani Agata. Comme je vous l'ai dit, c'est un opérateur économique, mais amoureux du sport. Il a voulu ce dimanche partager avec nous sa façon de voir et sa vision sur le sport béninois. J'espère que vous avez pu retenir l'essentiel. Dimanche prochain, je vais aussi vous retrouver pour un autre numéro de cette émission. Toute l'équipe de production et de réalisation vous dit merci pour votre fidélité. À dimanche prochain, mesdames et messieurs.